À la lueur des rayons du soleil levant, une marée de femmes s'avance sur le fond de mer dégagé par la marée basse. Elles débarquent à Zabousa, petit port de pêche entre Mahrs et Srira, sur le littoral sud-est de Tunisie. Le transport leur coûte un dinar par personne, soit un demi-euro. Voilées d'un couvre-chef de fortune contre l'insolation, des bottes aux pieds dans une eau glacée, elles déterrent à l'aide d'une faucille les palourdes qu'elles déposent dans un seau. L'Agla fait partie de ces centaines de femmes qui, 70 jours par an, s'adonnent à cette activité. Elle fait cela depuis l'âge de 9 ans. Zina est diplômée du supérieur, chômeuse, a pris la relève de sa mère. Le fruit de ce long et pénible labeur ne peut excéder 3 kilos par pêcheuse, cédé pour le vil prix de 3 dinars, soit 1,5 euro, et revendu en Europe, où ce fruit de mer est très prisé, à plus de 36 dinars, soit 19 euros. Au port, prêt pour une pesée aléatoire, des intermédiaires se font céder cette pêche après en avoir rejeté une partie pour calibre insuffisant. Monsieur Mohamed Ben Amour supervise le groupement de développement de la pêche créé il y a plus de 6 ans, dont les membres sont paradoxalement des hommes. 300 pêcheuses ont adhéré à ce groupement sans y être représentées. Fatma et Saliha réclament une autonomie d'exploitation, de gestion et de négociation des prix. Pour parvenir à une exploitation rationnelle et équitable de cette ressource halieutique, le ministère tunisien de l'Agriculture et la FAO ont mis sur pied un projet à 3 composantes. La formation aux bonnes techniques de collecte et de manutention des palourdes, l'assistance aux femmes pour les rendre autonomes et l'amélioration des conditions de travail. Selon la FAO, si ces femmes avaient le même accès que les hommes aux ressources, elles pourraient augmenter de 20 à 30% leur rendement. Avec la Tunisie et la convention de Ramsar sur les zones humides, la FAO veut améliorer les conditions d'existence des populations pauvres, riveraines du littoral méditerranéen.